are listening to Drops of the Lectionary, the daily meditation program of the Word of God, brought to you by Adal, the Apostolate of the Laity in the Archdiocese of Douala. Spirit of God, come to our aid. Open our hearts to your word and presence for the glory of your name. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Jean, chapitre 3, versets 1 à 6 et versets 14 à 22. Moi, Jean, j'ai entendu le Seigneur qui me disait, à l'ange de l'Église qui est à Sardes écrit, ainsi parle celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais ta conduite. Je sais que ton nom est celui d'un vivant. Mais tu es mort. Sois vigilant, raffermis ce qui te reste et qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé que tes actes soient parfaits devant mon Dieu. À l'ange de l'Église qui est à Laodicée écrit, ainsi parle celui qui est Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu, je connais tes actions. Je sais que tu n'es ni froid ni brûlant. Mieux vaudrait que tu sois ou froid ou brûlant. Aussi plus que tu es tiède, ni brûlant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Je ne manque de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Parole du Seigneur. My brothers and sisters, the first few chapters of the book of Revelation are known as letters to the churches. The churches refers to seven communities that existed at the time of John, a way of telling us that the revelations of God are not about distant people and places. God acts in ways and places and in people that we know in our own time, that the readings apply to us as well. Today's reading takes us into two letters addressed to two churches, the churches of Sardes and of Laodicea. First of Sardes, the angel of God says this, you have the reputation of being alive, but you are dead. To be alive but dead is the worst thing that could ever happen to someone. That is, you think that you have a life, that you have it all, but from God's perspective, you do not exist. To better understand this, we need to go back to the story of Adam and Eve. When God gave them instructions in the garden about staying away from the tree of the knowledge of good and evil, he told them that if they ate of that tree, they would die. Adam and Eve ate. Physically, they did not die. But relationally, spiritually, emotionally towards each other, they were dead people walking. Their relationship with God was broken. Their relationship with each other was broken. They could not relate happily anymore. Their relationship with nature itself was full of pain. They had to eat from the sweat of their labor. So to be alive but dead is to have failed in everything that can bring you joy and purpose in life. These are the people that the angel of God warns about the judgment of God. Obeying God's commandment is a way to life. Otherwise, life has a way
of giving us false impressions that we are alive, yet we are dead in the inside. Jesus says, "I am the way, the truth, and the life. Come to me. The choice is now." Le péché de l'Église de Laodicée est celle qui n'est ni chaud ni froid. Le Seigneur ne supporte pas cela. Je veux te vomir de ma bouche. C'est le péché des orgueilleux. Bien qu'il soit devant le Seigneur, il parle toujours en termes de « je ». Ils voient leur vie comme leur accomplissement personnel. Ils dressent leur projet de vie sans tenir compte du Seigneur. Les orgueilleux pensent qu'ils ne manquent de rien. Et pourtant, dans une vraie relation avec Dieu, on se laisse corriger par Dieu. Et on réagit lorsque Dieu nous interpelle, car lui seul tient notre vie. À ceux de Laodicée, comme à nous, l'ange du Seigneur demande la conversion. Car le jugement de Dieu exposera le cœur de l'homme, comme si c'était sa nudité. Mais pour ceux qui vivent humblement devant le Seigneur, qui implorent sa miséricorde chaque jour et qui dépendent de lui, qui reconnaissent leurs fautes, ils n'ont rien à craindre. Prions le Seigneur. Seigneur, je suis devant toi pour te servir et pour te rendre gloire. Que mon cœur soit toujours prêt. Accorde-moi la grâce d'une vie cohérente, sincère et vraie devant toi, pour ta gloire devant les hommes. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ici l'abbé Michael de la Dalle. Thank you.